Si t'as là, dis-le pour voir les enfants. T'as fait la messe pour toi. Est-ce que chez nous, vous avez l'impression que ce pourquoi vous êtes arrivé au Burkina Faso, c'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Alors, c'était le concert? Merci à tous les bénévoles du Sitala. Très très content de Bobo, avec les Français qui sont venus. Oh, c'était génial, c'était vraiment super. Non, c'était super coucoule. On est l'association Sitala. Il y a deux associations. Il y a une association à Bobo Dioulasso et une association à Tex dans le Morbihan. Donc c'est en France, dans une région qu'on appelle la Bretagne. On a eu envie de réunir les voix de vos enfants, les voix des enfants burkinabés, avec les voix des enfants français. Des artistes burkinabés sont venus en France rencontrer les enfants de l'école et des collèges pour travailler des chants. Et là, c'est des artistes français qui sont venus, donc Guillaume ici présent et un artiste musicien. Bita, tire les bora, deux fois. Bita. Et même chose pour vous, d'accord? Chaque fois, les dernières phrases, deux fois. À côté, travaille avec vos enfants, vous irez les rencontrer, Bruno et Philippe, deux enseignants qui sont venus pour travailler autour du chant. Donne-le là. Il y a l'Africa. C'est qu'on est en train de faire là, il n'y a pas de problème. Si Allah récemment, si tu vois que tu peux jouer après, mais au moins, ça, actuellement, ça te sert des leçons pour Allah récemment. Exactement. Jouer de ta manière, quoi. Ouais. On ne peut pas dire forcément que de jouer exactement ce que nous faisons, quoi. Mm. Mais donner les accords, ça donne une autre coloration, quoi. Ceci étant dit, là, il a la maman de la soulaï. Dernier mot pour tout musulman. Allô? Ouais, ça va bien. Les Européens qui sont avec vous ici, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Est-ce que vous avez envie de chanter? Oui. Vous avez envie de danser? Oui. Ok. Oula, il y a d'autres qui se rajoutent. On arrive, on atterrit, on se pose ici, boum, le lendemain, on se retrouve catapulté dans une école, dans une banlieue de Ouaga. Là, c'était... une grosse claque, enfin pour moi en tous les cas. Je pratique un petit peu Sitala maintenant depuis 6 ans en France. Pour moi, c'était une première de venir enfin voir
où vivait Sitala, comment vivaient les gens, comment étaient les petits Burkinabés. NASA, on est à la salle. Là, ce matin, vous allez aller enregistrer. Et voilà, d'ici midi, si ça finit, on va manger ensemble, vous et nous. Et l'après-midi, on fait la répétition. Et à 17h, on fait le spectacle. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, vous allez vous ranger tout sagement, sans vous pousser. Qu'est-ce que je peux faire? C'est les pires. Ils étaient là depuis. Il y en a sur le. Non, il n'y a pas de problème. C'est des artistes. Vous restez sage. Vous respectez les autres. C'est compris? Des enfants en France qui chantaient Tilé et voir des enfants burkinabés qui chantent Tilé à l'autre bout de la planète. Bon, il n'y a pas de mots quoi pour. J'ai compris le truc, quoi, j'ai vraiment ressenti. Tous les enfants derrière moi, derrière moi. De ses enfants et des parents qui se sont agglutinés un petit peu après autour de à la fin du concert. Moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial quoi. 44,1 degrés de température sur Bobo Dioulasso, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Savane FM. Avec l'équipe de Tilé Kumbura dans ce projet Sitala. On reçoit celui qu'on appelle le coordonnateur. Sitala, c'est deux associations, donc oui. France-Burkina. Oui. On travaille au Burkina avec les enfants, en France avec les enfants. Et l'idée, c'était autour d'un projet de réunir les enfants burkinabés et français à travers les deux continents. On s'est proposé de les réunir sur un même disque et de les faire chanter ensemble. C'est une création de 9 chansons que j'ai écrites et que, puisque c'est les enfants qui m'ont fait devenir chanteur. C'est meilleur. Ouais. Il y a les vents et il y a le vent. Et il y a des arbres, ouais, c'est plus ouais, aéré. Ouaga, ouais, ouais. Ici, rien à voir. Ça va? Oui, ça va bien. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Voilà. Bonjour. Enchanté. Bonne arrivée. Merci. Bonjour. Donc, c'est toi le directeur de Savane FM? Le régional. Pas le grand directeur. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais au nom de la population de la ville de Bobo-Dioulasso et particulièrement celle de l'arrondissement de Dafra, souhaiter la bienvenue à nos amis français et leur dire merci pour l'appui et l'accompagnement
à l'association Sitala du Boué. C'est un projet que nous avons bien accueilli ici. Voilà pourquoi vous avez constaté l'implication de toutes les autorités communales. C'est un projet qui touche vraiment, je peux dire, la sensibilité même de la jeunesse burkinabé. Bruno. Bonjour. Choqué, il est le président de l'association française. Vous savez qu'il y a Sitala à Bobo et à Sitala en France. Il est le président de l'association française, il est aussi professeur de musique. Et Philippe, il est professeur de musique dans l'établissement public. Et Bruno, c'est dans le privé. Une chose en France qui ne s'est jamais fait, il n'y a jamais eu la rencontre entre privé et public pour travailler ensemble. Ça veut dire que Sitala a fait un gros travail, et les professeurs évidemment, pour, et les élèves, et les parents, et les enseignants, pour enlever cette barrière. Il y a Jérôme, qui est musicien professionnel, qui fait de la basse. Il va jouer, mais ils sont là pour vous enregistrer, c'est eux qui vont vous enregistrer. Il y a aussi Guillaume qui fait la saxophone. Voilà, c'est mon meilleur moment d'apprendre aussi les instruments européens. Juste pour vous faire chanter, vous enregistrer, et on a vraiment très peu de temps. On a 3 jours pour travailler le maximum de chants, donc il faut absolument, et on compte vraiment sur vous, nous on sera là tous les jours à l'heure, que vous soyez vraiment là tous les jours à l'heure pour qu'on puisse vraiment finir ce qu'on a envie de faire avec vous. Donc est-ce qu'on peut compter sur vous pour être vraiment là tout le temps? Là, c'est vrai que quand Ben a fait le planning de nos 3 semaines, j'y croyais pas. Vous voyez, 3 jours de répète, 3 jours d'enregistrement, il y avait 9 chants. J'ai dit, c'est un truc de malade, quoi. On n'y arrivera jamais. Soyez ponctuels, c'est très important. En France, l'heure, c'est l'heure. Quand on dit 8h, c'est 8h. Quand il vient à 8h05, c'est mort. Mais ici, quand on dit 8h, c'est 10h. C'est pas bon. Oui, mais on se connaît. C'est votre projet à vous. C'est vous que nous sommes en train de mettre en valeur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Abdou, c'est donc aussi un membre de Sitala qui fait tous nos décors. Et cette année, on est sur un gros spectacle. Et donc, du coup, il travaille sur un décor de 12 mètres sur 6. Ah ouais. Qui est du bogolan, donc la technique traditionnelle avec les différents bains, les décoctions de plantes et tout. Normalement, ça se fait dans des bacs d'eau. Et là, ils sont obligés d'aller à la rivière, à la guinguette, à 30 km pour pouvoir faire son décor. Le chant, c'est un travail physique. Tout le corps participe. Et on ferme quand je ferme la main, d'accord? On reprend. C'est bon, stop. Morceau suivant. C'est bon. Les gars, vous êtes formidables. Ah oui. Ah oui, amitié. Bon, ça, vraiment, hein. Que ça, c'est bon. Elle est super, bah, et puis on enregistre quoi. Bon, des morceaux. On va s'adapter à Philippe. Et puis après, on verra. Super. D'accord. Bon, c'est pas mal, hein, c'est bien. C'est bien. Donc, on se retrouve. On va vous laisser maintenant aller manger. Hein? On se retrouve à quelle heure? À 15h. 15h, béton. A tout à l'heure. Yes. Tout de suite l'heure. Hein. C'est 15 et 8 cet après-midi. Bon appétit. Merci. Ils sont 30 ce matin. On en attendait 70, 80. Donc notre inquiétude, parce qu'on en a eu, c'est qu'ils ne soient pas là cet après-midi.
Le compte est bon. S'ils sont contents, il faut faire du devoir. Esthétiquement. L'effet de masse, c'est pas intéressant. Je suis content parce qu'on a réussi à former un noyau d'élèves motivés. Et il n'était que 29. Et ces 29-là ont accroché, quoi. Alors on fait quoi, du devoir ou du devoir? On part sur le devoir, on ne prend pas de risque. Donc ce sera Madou tout le temps en voix de soprane. Voilà. C'est, on a pris cette tonalité à la maison. Non, c'est bon. Les gamins, ça va, c'est bon. Le plan, il fait en base de la javel et le savon. Le savon de lessive. Ouais, je mélange les deux, je secoue, ça mousse et puis je mets le plan. On transpose tout en fa. En fa, vas-y. Pourquoi tu mets tout ça en fa? Parce que c'est trop gros pour Madou, ça. Il est en train de tout péter, là. Il... Mets en fa, allez, fa. C'est un gros travail, ça. Mais c'est... ça me fait plaisir aussi. Putain, c'est vachement mieux. Ah ouais, faut que Madou soit à l'aise. C'est sous l'air. C'est l'Afrique, hein. On prend sur le haut. Et écoute, il y a déjà la pluie qui tombe bien. Donc, ce serait bien qu'on puisse parler et s'entendre. Pas de bouquet cool. Ce que j'ai chanté en France et ouais. Ce que je suis en train de chanter ici, il y a quoi qui peut correspondre et puis... Ah bah là, faut tout changer. Tout ça, toute cette partie-là... Tu as préparé les enfants en France avec ça? Il y a pas de non, balle, on est allé jusqu'à Coucoudon. Voilà. Et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le... Ok. Dis-moi, quand on fait ça? Ah, ça c'est bon. 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 Et là vous faites quoi? Coucou, coucou. Ça c'est ce qu'on a fait en France. Ok, et c'est propre. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Faso. Caro. Ma Marie. Enchantée. Bonne arrivée. Merci. Ça c'est répondre des enfants. On continue à chanter. Les dates de l'île d'un. Et pour les deux autres couplets, ils répondent ce que tu dis, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais.
aussi saluer la capacité d'apprentissage des élèves du lycée de Bobo-Dioulasso, parce que on est parti de rien. L'équipe, ce n'est pas que Philippe et Bruno, il y a aussi les musiciens qui ont enregistré les morceaux. Et lundi prochain, on se retrouve au CCF pour carrément enregistrer sur le disque. Donc vraiment bravo. Et si on arrive lundi à bien travailler, ce qu'on va mettre sur le disque avec la musique et les enfants de votre âge en France, ce disque-là, il restera pour vous toute votre vie. Voilà. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé du projet, puis on a rêvé un peu ensemble. Ça fait un an et demi qu'on travaille pour pouvoir réaliser cette chose-là. Et tout ça, c'est parti grâce à Marie-Caroline, qui, à un moment donné, a eu la folie de nous proposer un travail en commun avec des collégiens français et burkinabés autour d'un disque. Le CD, pour nous, c'était vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait présenté dans le projet, c'est un prétexte aux échanges entre les enfants. Donc nous, notre idée, c'était aussi de faire en sorte que les élèves burkinabés s'intéressent à la culture française et inversement, que les élèves français s'intéressent à la culture du Burkina. Okay. Hey, si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas entendre vos noms. Hey, appel, appel. Awa Konaté. Président. Pour une répétition sur trois, c'est pas assez, quoi. Tu vois ? Vas-y. Ah bah oui, tu connais pas ça. C'est dommage parce qu'elle a la note, elle chante juste. Elle en donne la note, elle la rechappe. C'est con quoi. Qu'est-ce qu'on fait? En Qatar? Ah, t'as de la chance. T'arrives souvent en retard toi, hein? T'es sûr qu'on a la même heure? Non, mais elle est bientôt dans la tête. Elle a rien raté. Mais faut être à l'heure. Parce que demain, on t'attend pas. Hein. Demain, tu iras en courant. Voilà, c'est bon. Super. Enfin, on est vraiment trop sympa aujourd'hui. Yarabi Latif. Yarabi Latif. Pour moi, c'est Awale. Et Folie. Abobo. Pour moi, c'est Yarabi Latif. Abobo. Philippe va vous faire démarrer, vous allez chanter et on va essayer de réduire le retour de la musique. Faut que vous cherchiez, vous allez chercher. Ouais, je pense qu'on peut mieux faire.
tout ce que je veux. Super cool. Vous l'avez trouvé comment? Super. Oh, Super cool. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, on en parle sur nos antennes, la 95.1, cette rencontre avec les Amis de France pour l'enregistrement d'un album de musique et création de deux spectacles. Aujourd'hui, ils sont sur ce plateau pour nous faire part le dernier virage de cette rencontre. On va tout de suite toucher le président. Monsieur Salif, quel est le parfum de tout ce parcours, la rencontre avec les Amis? Disons, depuis le 15 octobre, les Amis français sont dans nos murs. De Ouaga, ils sont descendus à Bobo et le projet suit son cours et normalement selon le calendrier programme établi. On est à la fin des enregistrements aujourd'hui au CCF. Le spectacle, vous allez le livrer devant vos parents, devant vos collègues et devant les professeurs. Mais nous, on est avec vous sur scène. Hein. On est ensemble sur scène. Tout le groupe qui est là avec vous. Il y a un saxophoniste qui font voilà. Tous ensemble. Donc, c'est comme vous et nous, tout le monde, on forme la troupe. Ouais. C'est là. Tous les acteurs qui ont œuvré vont se retrouver sur une même scène. Ah, justement. C'est parti. Droite et gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Fier de quoi? D'avoir bien chanté. D'avoir bien chanté? Et de faire ce que vous avez fait? Et en 6 jours, les filles? C'est bon. Hein? Bruno. La peine, a... Quoi tu vois ça? Philippe, ça reste à ma Philippe. C'est et pourquoi pas Bruno? Hein? Bruno n'aime pas faire comme ça. Là. Hein? Ah oui, il fait devant lui. Ouais. Merci les enfants!
à toutes et à tous. Maintenant, il y a un autre challenge. Les Français, ils ont plus que 5 mois aussi, avec une heure par semaine pour arriver à avaler toutes les chansons et être opérationnel pour début avril. Et ça, c'en est un sacré aussi. Se calmer. Si chacun pose sa question, après tout le monde va être embrouillé. Calmez-vous. Ceux qui ont déjà les costumes, vous taisez et on attaque les gens qui n'ont pas eu de costumes. S'il vous plaît. Quand on chante, hein, les bras le long du corps, on se tient droit, mais relâché et détendu. D'accord ? On regarde devant. On ne veut pas voir de visage, regarder à droite ou à gauche. Même chose, pas de discussion. On vous répète sans arrêt, les micros prennent tout, les chuchotements, les petites conversations entre copains ou copines, tout ça, ça s'entend. Ah,
représente Sitala, Bobo Dioulasso, Sitala, Dilimba, des pires. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait là? Je suis content de concert à Bretagne, Palais des Arts, Vam. On va éclater ici avec les enfants. Dédicace, la lampe, Tilekumbora. On arrive vraiment au terme de notre projet Tilekumbora. Et ce soir, donc, au Palais des Arts, on se produit tous devant les parents, la famille, les amis et tout le monde pour présenter le disque, d'accord, auquel vous avez largement et très bien contribué. Et pour deux saxophonistes. Le seul objectif qu'on a dans tout ça, c'est partager ensemble un moment de vie. Et que l'aboutissement de ce partage se fasse sur scène et qu'il soit gravé sur un support qu'on a choisi être le CD. C'est pas plus que ça. Donc la soirée de ce soir, c'est à nous tous de la rendre positive et c'est à nous tous de faire qu'elle se passe bien. Il n'y a pas plus que ça. Il n'a pas sa banane, il joue pas bien. Allez, mon! C'est bon ça? Kikan, ce soir, c'est la fête, on se fait plaisir, hein? Mais dans la sagesse, ça va durer que 1h30. 1, 2, 4. Il était trop bien là. Sitala vous souhaite une très belle soirée. Et merci beaucoup pour tout. Bon, allez. Anneke, bon spectacle. Je fais un honneur de servir à vos côtés. Anneke. Oh, yeah.
gardien qui dit bamina. Masaka no yambe yo makiyama. Shadana la ila ila la ke mama dala surula la ila ila la.